Alors, haïku, je vais le montrer à la caméra. Ça s'écrit comme ça, en français en tout cas. Et c'est un mot japonais qui désigne des poèmes très très courts, de 2, 3, 4 phrases. Et les haïkus, j'aime bien, parce que ça te permet de trouver des réponses à des questions que tu te poses. C'est un peu comme l'horoscope. Ou tout simplement décider de l'humeur de la journée. Donc c'est assez intéressant, je vais t'en montrer quelques-uns pour t'expliquer. Donc le premier, c'est « Parfum une chevelure qui nous submerge ». Ça va, tu me comprends. C'est pas très obscur comme poésie. « Le pont tient les bords de la rivière ». Alors celui-là, il est marrant, parce qu'il te donne l'impression d'être très simple. C'est un pont sur une rivière, c'est très très logique. Mais si tu te places dans le dessin, ça peut devenir un peu plus compliqué. Parce que tu peux être la rivière, tu peux être le pont, ou tu peux être l'un des deux rivages. Si tu es le pont, tu as une force positive, puisque tu réunis les deux bords. Si tu es le fleuve ou la rivière, tu as une force qui détruit, puisque tu sépares les deux bords. Et si tu es l'un des deux rivages, tu essaies de communiquer avec l'autre, avec le pont. Et ce pont, ça peut être ce que tu veux, ça peut être de la musique, ça peut être de la magie, ça peut être n'importe quoi. Celui-là est marrant aussi. De son nénuphar, la grenouille saute dans un gros nuage. Alors, l'autre était logique, celui-là est absurde, parce qu'une grenouille ne peut pas sauter dans un gros nuage, c'est pas possible du tout. Par contre, une grenouille peut sauter dans le reflet d'un nuage, si elle est sur un lac, par exemple. Et là, c'est pareil, tu peux décider que tu es la grenouille. Et si tu es dans une humeur positive, tu vas te dire, c'est bien, j'ai au moins osé essayer d'atteindre mon rêve, j'ai raté, mais j'ai au moins essayé. Et si tu es très négatif comme personne, tu vas décider que ça valait pas le coup de sauter pour essayer d'atteindre ton rêve, puisque de toute façon, tu es tombé dans l'eau et tu as raté ton coup. Donc à chaque fois, tu peux essayer de trouver un enseignement en fait dans ces haïkus. Donc on a plein de différents à donner. Et alors moi j'en ai un qui est mon préféré. Il n'y a pas de numéro de page, c'est pas pratique, mais c'est mon préféré pour une raison très très simple, ce serait le vôtre aussi je pense, parce que c'est un haïku qui contient un tour de magie. Une fleur de cerisier est tombée sur ma main, ouvrant le poing, je n'y trouve rien. J'adore parce que c'est vraiment une disparition. Donc, je vais te confier le carnet, parce que moi j'ai un haïku préféré et je voudrais que tu choisisses ton haïku. D'accord? Ça va être ton haïku pour la journée. Donc tu ouvres, si tu tombes sur les japonais, bien sûr, tu le prends en français. Tu le lis et tu vas essayer de te rappeler des quelques phrases du haïku. C'est pas très pratique avec le nom, tout ça. Essaye. C'est bon? Voilà, et tu le refermes. Quand tu as bien mémorisé les phrases, on a l'idée à peu près. Je vais reprendre ça. Alors, je ne vais pas essayer de deviner le haïku que tu as choisi, c'est impossible, mais je vais essayer de deviner une image que tu vas faire dans ta tête. Tu te rappelles de ton haïku? Les quelques phrases? À peu près? Est-ce que tu pourrais les dire à haute voix? La phrase de la fin, c'est surtout ça que j'ai pensé, par c'est un insecte passe. Un insecte passe? Un insecte passe, si on regarde. Oui. Thank you.